la mise à la retraite, disons, anticipée des agents des forces de sécurité publique et de défense, c'est quelque chose de particulièrement dangereux. Dangereux par les personnes qui sont visées. Je dis bien par les personnes qui sont visées. Dangereux parce que ça peut créer des perturbations énormes sur la psychologie même de l'homme. J'ai fait un programme pour démarrer ma retraite dans 10 ans, dans 11 ans, dans 5 ans. Et brutalement, sans m'avertir, on me met à la retraite. Personne ne peut dire que ce n'est pas une punition. Moi, personnellement, je n'ai pas aimé cette décision-là. Non, 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 non. Si on me le fait, je vais protester. Ce n'est pas parce qu'on ne proteste plus qu'on va profiter pour faire tout cela. Ceux qui ont voté cette loi-là aussi, on va commencer par mettre des députés à la retraite forcée. Les députés là, on va commencer par dire non, tel que tu te comportes au niveau de l'Assemblée là, non, toi tu peux maintenant aller te reposer de façon forcée, te faire remplacer par tes suppléants. Ce n'est pas normal, non. C'est un drame, puisque j'apprends qu'il y a déjà 11 qui ont déjà l'AVC. Ah, et ceux qui restent encore en activité, ils peuvent toujours croire que « Ah, mon tour vient !» Et tout le monde sera en train d'être... Il y a le tchadi. Et c'est aussi le qui-vive. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est un drame. C'est un drame. Combien ils sont au nombre de combien? 300 ou 400. Ah! Bon, donc après, ils vont encore trouver 1200. Et après, 1800. Et après, 2000, 3000. Finalement, ils vont vider l'administration de leurs compétences. Et on va commencer par recruter des nougrounouilles. Moi, je crois que c'est véritablement un drame social. Moi, je le dis à haute et intelligible voix. Non,